toujours quand on s'y attend pas qu'on en prend plein la figure. Pas facile à tenir. On peut pas lui laisser faire ce qu'il veut, hein. Pas d'arriver. Ouais. En plus, il y a un courant d'ouest là qui nous déporte en plein milieu de la mer Caraïbe. Ouais, puis c'est grand, hein, la mer Caraïbe. Il s'agit pas de se laisser entraîner là-dedans parce que après, pour revenir contre le vent. Ouais, c'est tout dans le nez, c'est une navigation difficile. Ouais. Faut bien tenir son cap, hein. Dans ce livre, ils disent que c'est aux Canaries que Christophe Colomb il a abandonné les voiles latines comme celle-là. Ouais. C'est là, pour les remplacer par des grands phares carrés comme ça. Comme ça. Ça paraît évident pour une traversée de l'Atlantique. Avec les alizés qui poussent dans le dos, là, c'est pratique. Nous aussi, on aurait bien aimé en avoir. Pour effectuer l'exploration des îles, là, comme sur cette carte. Là, t'imagines avec des phares carrés? Tu peux pas virer de bord vite ou remonter un peu au vent s'il le faut. Ouais, ils avaient aucune carte en plus. Il y a plein de récifs, même avec des vigies dans les mâts. Ouais. Imagine un peu naviguer là-dedans. Non, on ne pourrait pas naviguer sans carte, hein, surtout pas dans un endroit pareil. Ouais. On dit que c'est la citadelle de la Martinique. Les Anglais, ils ont hissé des canons jusqu'en haut du rocher pour canarder les Français et les empêcher de venir ravitailler l'île qu'ils voulaient conquérir. Au temps de Christophe Colomb? Non, au temps de Christophe Colomb, il n'y avait que des Indiens avec des arcs et des flèches. Et pendant un an et demi, il y a 120 personnes qui sont restées là-haut, dont plein de jeunes qui descendaient et qui remontaient des boulets pour les canons. Il a fallu une flotte entière pour les déloger du rocher. Bon, allez, mouille! Vous vous souvenez ce que nous avait dit Georges, l'archéologue vénézuélien? Il nous avait dit qu'on retrouvait des roches gravées un peu partout en Amérique du Sud et dans les Antilles, et que c'était peut-être la voie d'une migration d'un peuple très très ancien. Et toutes ces têtes là, c'est quoi exactement? On ne sait pas trop leur signification. Ce qu'on sait juste, c'est que ça a été dessiné par les Amérindiens, mais on ne sait pas quel peuple amérindien et de quelle époque ça date. Et les Amérindiens, ils venaient d'où? C'était qui ces Amérindiens? Ben, les Amérindiens, c'est les Indiens qui vivaient ici avant Christophe Colomb. Et c'est par exemple les Arawaks ou les Caraïbes. Les Indiens d'Amérique, quoi. Mm-hmm. D'ailleurs, il y en a qui disent que ces Indiens, ils venaient du sud du Venezuela ou du nord de l'Amérique. Ouais. Et en tout cas, c'était des bons navigateurs. Parce que pour venir jusqu'ici, la mer n'est pas toujours facile. Ouais, c'est vrai. Le personnage au centre ressemble à un dieu aztèque de la pluie. Et ce dieu de la pluie, il est associé avec Quetzalcoatl, le serpent à plumes.
dieu européen ou africain qui serait venu par la mer et qui aurait ensuite apporté la civilisation Amérique. Il y a des archéologues qui fouillent là-bas près de la plage du diamant, on pourrait peut-être aller questionner, non? Ouais, pourquoi pas. On peut aller les voir. Il est joli, hein, ici le rocher du diamant. Alors là, on est en train de faire des relevés, Nathalie et moi, hein. C'est-à-dire que l'on dessine sur papier millimétré tous les objets qui sont sur la couche. Voilà. Christian et Charles, eux, sont en train de descendre la couche. Étant donné que l'on a déjà dessiné les objets qui étaient là, ils continuent, hein, ils approfondissent leur carré. Voilà. Et le but est de dégager vraiment délicatement afin de laisser les objets en place et de ne pas trop les abîmer. Et vous croyez qu'il y aurait pu avoir une civilisation antérieure à Christophe Colomb qui aurait navigué en Atlantique et vers l'Amérique? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Jusqu'à maintenant, dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas le dire, non. C'était Christophe Colomb. Peut-être, hein, mais je ne peux pas te répondre. Voilà, c'est vraiment... Non, c'est impossible. Je ne peux pas te dire. Et vous y croyez, vous, à l'Atlantide? Pas vraiment, non. Moi, je demande à voir quand il croit. Non, non, non. Je ne pense pas, mais je ne peux pas te dire les raisons qui me le font penser. C'est comme ça, une conviction. Tu vois, des fois, on a des intuitions comme ça qu'on ne peut pas expliquer, voilà. Hein, il faut des preuves, oui. Qu'est-ce que tu fais à l'ordinateur, là? Là, c'est Atlantis. C'est la ville d'Atlantide, la capitale de l'Atlantide. Ça, c'est un plan qui a été fait d'après Platon, le philosophe grec. Ouais. Le blanc, c'est la Terre. Là, il y a deux tours qui protègent la ville. Il y a un canal qui amène à deux ports et à deux autres petits ports et au palais royal qui était protégé par une forteresse recouverte d'or et calque, le métal précieux. Et toi, tu crois à l'Atlantide? Je sais pas, mais on sait pas encore grand-chose à notre époque sur ça. Regarde, par exemple, aux îles Canaries, Christophe Colomb, avant qu'il parte, il a annoncé à ses marins qu'à 750 lieues, il risquerait de trouver une terre, donc il fallait faire attention pour naviguer. En effet, à 750 lieues, il y a les Antilles, donc ils savaient déjà qu'il y avait les Antilles. D'accord, mais quel rapport avec l'Atlantide? Ben, c'est qu'il aurait eu un document ou une carte d'avant, peut-être d'un ancien peuple, qui disait qu'il y avait une terre, quoi. À mon avis, c'est une civilisation encore plus ancienne qui aurait fait les cartes. Et ce sont des cartes qui ont été faites à l'époque d'Alexandre le Grand. Putain, dis donc, t'es fortiche toi pour arriver vers ça. Aïe. C'est écrit en arabe. J'ai lu la traduction. Ah bah d'accord. Mais Alexandre le Grand, ça fait vieux ça. Ça fait presque 2000 ans avant Christophe Colomb. Ouais, c'est vachement vieux. À cette époque-là, il connaissait pas spécialement le monde. Hein. Ouais, en fait, on nage dans le mystère. Pour un quart d'heure. Ah, allez-y, le canon. Ça colle à la peau, alors pour attraper un morceau et tirer. Oh là là. Attends, tire-le un peu en bas avant. Pas de problème. Je vais te mettre dedans. À l'époque de la catastrophe, il y avait 50 bateaux dans la rade. Ils ont tous coulé. Là au moins, on est sûr d'y trouver une épave. Bah, j'espère, oui.
Thank you.